Yo yo yo, bonjour, bonsoir les amis, bienvenue à l'épisode 3 en mode difficile avec moi. Alors la dernière fois j'étais pas très en forme pour finir la partie, mais cette fois-ci on va prendre la revanche. Alors ça se passe comment? Ok, d'accord, on sélectionne comme ça. Alors I got it. j'étais pas très en forme et je n'arrêtais pas de faire des allers-retours dans cet endroit, mais cette fois-ci c'est la dernière fois que je passe par là. On va aller plutôt ici, voilà. Et on va jouer en mode 2, vitesse 2, comme ça va accélérer légèrement leur pas. Et on va voir ce que ça donne pour l'instant. Pour l'instant, voilà. Donc ça, je sais pas c'est quelle équipe. Ah, ok, équipe 4. Allez, on va voir, j'ai pas de équipe 1. Apparemment, c'est quoi ça? Oh. Suis-je déjà venu? Déjà venu, ok. Alright. Allez, on va envoyer toutes les équipes à plusieurs endroits différents pour visiter. Ah, je crois que j'ai trouvé. Ah, non, c'est chez moi ça. Lol. C'est chez moi. Où est la mer? Ça se trouve par ici. D'accord. Donc là, c'est bloqué. Ici, c'est bloqué. Ok, il va falloir faire. On arrête de venir par ici à partir de maintenant. On va mettre I l'équipe 4 got it. ici pour marquer. Et on va aller voir l'équipe 2. Équipe 2, 4, voilà. Et on va envoyer l'équipe 2 par ici. Oh bah on dirait que tout est bouché là. Voilà, comme ça. Ok. Alors, est-ce que je peux en produire d'autres? Regardez, ici là, on n'a plus de pierres du tout à récolter. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va les enlever. On va enlever tout le monde, voilà. Comme ça nous fait des soldats supplémentaires. Voilà, petite astuce pour vous les amis. Voilà, ça c'est déjà enlevé, ça c'est pas encore enlevé, là il n'y a plus personne, là il n'y a plus personne, et voilà, ça me fait 12 personnes en plus, et donc ça me fait 3 équipes de combat supplémentaires qu'on va mettre ici, voilà, on fait un comme ça, ah le cuir, on va arrêter le cuir parce que attendez, vous allez comprendre. Ce qui pose problème à eux aussi, c'est pareil. Le fait qu'on les laisse travailler, ils prennent tous les cuirs et après on peut plus du tout farmer les autres soldats. Oh, le son est bien fort, hein. Je vais mettre moins fort le son, sinon ça va nous casser les oreilles. Paramètres. Audio, on va mettre à 10. Voilà. Effet sonore. On va laisser comme ça devrait aller. Voilà. Donc, ça nous fait une équipe comme ça. Pour cela, il nous faut des archers. Et il nous manquera des berserkers. Ah, il manque encore un peu. Alors, attends. Qu'est-ce qu'ils foutent là, toi? Ah, ils sont deux. Ok, ils vont As you venir wish. ici. Eux, on va enlever. Pardon, pardon, pardon. Stop. On va mettre plutôt. Ok, on va laisser revenir le cuir. Et ensuite, on mettra. Donc là. Ok, eux, ils vont venir ici. As you wish. Très bien, on va commencer à avancer ensemble. Ah bah tiens, il y a un chemin par là aussi. Je crois. Je crois, je crois. Non. Non, c'est toujours la montagne. Bah on est plutôt bien protégé, hein, voire même trop bien protégé. Du coup, All on a right. du mal à sortir d'ici, hein. Ah, ça y est, j'ai compris. J'ai compris, j'étais un petit peu fatigué hier soir. Du coup, j'ai mal géré. Mais en fait, je pense que nous sommes complètement renfermés et nous devons construire des navires pour On pouvoir my sortir way. d'ici. Eh ouais, on n'arrête pas de tourner en rond ici. C'est pour ça que je tournais en rond, je comprenais pas. Ok. Ici c'est fermé, donc il nous faut des bateaux. Ici c'est fermé aussi, voilà, donc il nous faut des bateaux. Et là, j'ai plus de place du tout pour fabriquer les bateaux. Chaud, chaud, chaud. Bon, d'accord, pas de problème, pas de problème. Alors là, c'est fermé.
Je vais essayer de voir. Ah ouais, je suis vraiment à l'extrémité en fait. Si je fais ça, quelqu'un peut venir ici ou pas? Je crois pas, hein. Ah ouais, c'est bloqué. Ok, bah on va prendre le bateau. Ah ouais, d'accord. Ok, bah c'est pas grave. On va les préparer et puis. Ouais, c'est vraiment. On était renfermés. Donc on aurait pu se battre contre plusieurs clans puisqu'il n'y a qu'une seule entrée. Franchement, on aurait pu se battre 1v3 ou 1v4 même. Ah, c'est dommage. Si je savais, si j'avais su, franchement. Bon, bah venez tous par ici. On va créer des navires, hein. Almost. Voilà, 3, 2, 4, ici, 5. Toi, t'es qui, toi? 1, 1, il n'y a pas. 2, 3, 4. Là, c'est pas. Toi, t'es qui, toi? Viens ici. As you wish. Ok, apparemment. C'est pas grave. On va construire des navires puisque c'est comme ça. Chantier naval, est-ce que je peux ici? Je peux pas, tout est bouché. Ah bah c'est trop limité ici, hein. Mince alors. Oh non. En termes de nourriture, c'est limite. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Ah bah du coup, on peut pas faire ça comme ça. On doit d'abord augmenter la nourriture. D'ailleurs, ici, on a aussi quelque chose à faire. Voilà. Une petite recherche déjà, on a trouvé cette première bénédiction de Loki. La nourriture, on a dit la nourriture. On va mettre beaucoup, beaucoup à l'intérieur. Tiens, on va mettre même ça puisqu'il y a beaucoup de place peut-être, non? Je sais pas si on peut faire ça ici. Je vais voir si je peux gratter à l'extérieur. Non, je vais pas faire ça. Je préfère les cochons, ça, comme ça nous donne du cuir en même temps. On va mettre par ici. Voilà. On me dira peut-être un jour, c'est cheaté. C'est cheaté, mais c'est comme ça. Je prends ce que le jeu m'offre. Et pour l'instant, je prends ce qui est de plus facile. Je suis pas obligé de faire tous les bâtiments. Alors voilà. Normalement, ici on peut XP. Settlement. Rich population. 70. Unlock. Upgrade niveau 2. Increase the building. Augmenter de 10%. Et nanana. Oh, c'est bien ça. Regardez. Voilà. Upgrader. On peut mettre 6 personnes dedans. Voilà. Et ici. Mystique, take control over 3 runestone. Ah, d'accord. Ici, si on trouve les 3 pierres runiques, on peut upgrader ici. Et ça nous fait aussi augmenter de 10% encore. Et là, unlock 8 technologies avec. Débloquer 8 technologies avec Elder Stone. D'accord. En gros, pour débloquer le tout, il faut qu'on fasse un petit tour. Dégage le ciel et améliore la visibilité des unités. D'accord. En fait, ça là, lorsqu'on est en mer et qu'on appuie sur ça, eh ben, ça dégage le ciel et. Voyons voir. Ok, d'accord. Là, on a un petit problème. On n'a plus de place du tout. Il va falloir qu'on supprime un des ports de pêche. Malheureusement, on n'a pas d'autre choix. Et donc, je vais devoir détruire. Celui-là, voilà. Et on va construire des bateaux à la place. Voilà, à partir de maintenant, je pense qu'il y aura la guerre assez souvent, assez régulièrement. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Un tanneur, le tanneur, il bouffe trop de vêtements. Donc, on va le détruire. On va détruire un. On va mettre. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre pour la nourriture? Tiens d'ailleurs, par rapport à ça, on va augmenter de 5 personnes.
Ici, on va mettre encore 5 personnes. Ici, on va mettre 3 personnes. Et on va rajouter. Ici, on va détruire aussi. On n'a plus besoin du tout, du tout. On va garder juste un seul bâtiment pour pour la forme. On n'en a vraiment plus besoin. Ah bah j'aurais dû détruire l'extérieur, dommage. Bah tant pis, on va le détruire quand même. Voilà. Et on va mettre des maisons à la place. Même peut-être pas des maisons, on va mettre des druides, comme ça va augmenter encore leur morale. Voilà. Ok, allez, on va construire les bateaux à partir de maintenant. C'est parti, 5-6 personnes, hop, 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 voilà. Et on va construire que des grands moyens, des grands bateaux. Voilà, équipement tente. Voilà, on est bon. Attendez, hein, je vais pas construire tout de suite. Je vais pas construire tout de suite. Je vais d'abord préparer parce que je partirai avec une grosse armée. J'ai pas envie de partir avec une toute petite armée. Donc, il nous faut des hommes en plus. Et ben voilà, ça nous fait des hommes en plus. On va rajouter encore et encore des maisons. Voilà. Où est-ce qu'il y a un puits? Il est bien loin. Il est bien loin. Donc, en fait, on va mettre un petit puits quand même par ici. Voilà. Parfait. Le marché, c'est bon. La salle des anciens. Est-ce que j'ai fait la salle des anciens? Oui. Ah, la salle des anciens. Garde-magasin. Garde-magasin. Vous n'avez pas besoin de nourriture pour recruter des unités. Ah, ça fait des économies, ça. Quand même. Entraînement. C'est fait, ça? Entraînement. Les unités recrutées dans la salle d'entraînement ont une expérience de niveau 1. On dirait que c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Ah tiens, on va mettre une baliste. On va mettre une baliste, je sais pas pourquoi, mais on va mettre une baliste quand même. Ok, allez, on va lancer. Je pense que là on a 17 personnes, d'accord. Il y a des personnes en plus qui sont nées, d'accord, ok. 9, vous voyez? Vous voyez le fait qu'il y a un marché à côté, il y a ça à côté, tout augmente. C'est super. Ah bah oui, il est dans la zone de ça aussi. Attends, je vais augmenter à fond, à fond, à fond, à fond. Ah, on a un problème de nourriture, ça y est. Ah, on a un gros problème de nourriture. Ouh là là, ça va pas ça. Ça va pas du tout. Allez, je vais faire encore l'élevage de cochons. Voilà, on va en mettre un maximum parce que là, sinon, on va être à la dèche totale. Voilà. C'est cool, hein? On a upgradé la maison du jarl en niveau 2. Ça permet d'avoir 6 personnes, du coup, ça travaille un peu plus vite. Le panneau de saison indique que la saison actuelle est. Et le changement climatique à venir. Ah, d'accord. Je savais pas ça. Le panneau des saisons nanana, à venir. D'accord. Ok. D'accord, ok. Donc ça doit ressembler à. Ok. Voilà, on a beaucoup, beaucoup de monde. Et on va rajouter pour apporter plus de cochons. Parce que sinon, on sera en manque de nourriture dans peu de temps. Et on va tout perdre. Alors, je vais mettre. Eh ben, on va continuer à mettre par ici. Ah, bah, tiens. Voilà, 5 de plus. Hop, voilà. Je crois que je vais devoir mettre des champs, on dirait. Je vais peut-être mettre un puits par ici pour protéger quand même. Tiens, on va mettre un puits là. Voilà, pour bien compléter les places. Alors, voilà, on est toujours à la bourre, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Donc, on va prendre le bois pour vendre et à la place, on va acheter de la viande. Voilà, et c'est pas beaucoup, ça descend trop vite, les amis, on a trop de monde. On a trop de monde, je pense qu'on va envoyer les guerriers à la. Pourtant, je l'ai upgradé, non? J'ai upgradé, elle est où la salle? Elle est où la salle d'armurerie là? Entrepôt.
Oh là là là. Ah non, c'est je joue en vitesse rapide. C'est pour ça que je gère plus. Où est la salle d'armurerie? Hutte des chasseurs. Ah bah tiens, hutte des chasseurs, ça sert à strictement à rien. Quoique. Voilà, on va mettre ça ici. La bouffe, ça se maintient à peine. C'est toujours dans ces eaux-là pour l'instant. On va augmenter ici. Je pense qu'en rajoutant... En rajoutant deux de plus, ça devrait suffire. Ça devrait répondre à tous les... aux besoins de toute la population. Mais pour l'instant, il n'y a plus de place. Ça craint quand même, hein. Attends, où est-ce que je vais pouvoir mettre ça? Tous les emplacements sont importants. Bah tiens, je vais mettre ça ici. Tant pis. C'est pas très beau, mais bon. Alors, on va transformer les guerriers encore et encore. Et on va partir à la chasse. 24 personnes. On va mettre ceux-là. Ah, bah qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, il n'y a plus de personne. Comment j'ai pu me tromper? Ah! On peut pas dépasser un certain nombre de personnes. Combien j'ai là? 90, ça fait 110. Ah, ok, 20 sur 20. Ah, bah voilà, ça fait 20 sur 20. 20 équipes sur 20, d'accord. Ok, on peut pas aller plus. Eh bah, c'est pas grave. On construit les bateaux et on passe à l'action. 1, 2, 3, 4 et 5. On part avec 5 bateaux. 5 bateaux. Waouh, 5 bateaux. Il n'y a plus personne à la maison. Ça craint. 5 bateaux, il n'y a plus personne. Ah, ça y est, c'est l'hiver, on va être dans la merde. Donc voilà, il n'y a pas assez de place. Cette plage, malheureusement, voilà, ça c'est une des difficultés gratuites envers nous. Comment dirais-je? La plage est beaucoup trop petite, du coup, on n'a pas pu construire d'autres huttes de pêcheurs. Ça c'est un problème, alors que quand on jouait en mode facile... Quand on jouait en mode facile, on pouvait avoir jusqu'à 5, 6, 7, 8 cabanes de pêcheurs. Donc là, c'est un gros problème. Je pense que je vais devoir construire d'autres bûcherons par ici. Il n'y en a plus. On va mettre par ici. Attends. Toi, t'es où? Toi, t'es là. Ah ouais, c'est pour ça qu'il n'y a plus rien. Ok, d'accord. Eh ben, on va mettre par ici. Ça devrait aller, hein. Tiens, même là, voilà, ils peuvent aller loin, il n'y a pas de souci. Ça les oblige à y aller loin. Bah, du coup, j'ai 18 personnes en plus pour rien, quoi. Allez, c'est parti. Allez, allez. Allez. Alors, en cours de construction. C'est bizarre qu'ils viennent pas nous attaquer. Il y a un bug, quoi, là. All right. Ça va, on est bien quand même, hein. Allez, venez ici. Venez plutôt ici. Ah, voilà. On va les préparer à l'avance. Comme ça, il y aura à manger pour le printemps prochain. Je pense que je vais en rajouter d'autres encore et encore. Parce que sinon, on va pas du tout s'en sortir. Et je ne pense pas que les champs nous apportent plus. On va plutôt rester sur ça. Comme ça nous permet d'avoir à la fois le cuir et la viande. C'est un bon compromis, le meilleur compromis qu'on puisse avoir. Voilà, c'est bon, deuxième bateau, on y va. Venez ici, toi, viens ici, viens ici, viens ici, viens As ici. you wish. C'est bizarre que personne vienne nous attaquer quand même là. Voilà, déjà deux bateaux. Je pense qu'on va partir peut-être avec... Ah, un autre bateau encore, c'est cool. Allez. Voilà. On my way. Troisième bateau. Toi, tu viens ici. Ah non, tiens, d'ailleurs, tu vas aller là. Comme ça, on va récupérer... Ce qu'il y a là. Voilà. Toi, tu viens ici.
Allez, on continue. Ok. Je pense que 5 bateaux, ça devrait être largement suffisant, hein. Alors, malheureusement, toutes les équipes sont utilisées. On peut pas en mettre d'autres, dommage, hein. Bah, c'est pas grave, ceux-là, ils restent à la maison pour la défense. Max défense, les amis. Max défense. Allez, on met 5 personnes dedans. En plus, c'est la bonne saison pour récupérer de la bouffe. Ça va monter cette fois-ci, vous allez voir. Normalement, ça va monter, ça peut plus. Et de toute façon, nous partons à la guerre. Il y en a qui vont mourir. Et puis d'autres. Allez, montez. Voilà, merci beaucoup. Oh, c'est bizarre, je suis en mode difficile et personne qui m'attaque. Ça, c'est pratique par contre, hein, le côté fabrication, vente et tout. Là, c'est vraiment pratique. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est fait, d'accord. On va passer niveau 3. Influence, influence. Vous permet de recruter des brigands et des guerriers en déplacement sur le chemin, c'est très bien. Campement. Ah! Campement vous permet de compléter vos unités et de soigner dans les campements de brigands. Ah bah ça, c'est troisième niveau, c'est excellent ça. On va s'y mettre, on va s'y mettre. Voilà, on va s'y mettre. C'est bon? Il n'y a plus personne. Comment ça? Attends. Ah, il y a un problème là. Il y en a qui sont coincés ailleurs. C'est bizarre ça. Ça fait pas 20 là. Qu'est-ce que tu fous là toi? Tiens, on va le mettre quand même par ici. Je comprends pas du tout. Pourquoi on peut pas mettre quelqu'un ici? C'est dommage. Bon bah laisse tomber, c'est pas grave. On va y aller comme ça, hein. Qu'est-ce qui se passe, toi? Ah, d'accord, ok. Et bah tu vas aller travailler un peu plus loin. Voilà. Directement ici. Et je pense que je vais ramener plus de bois parce que ça va nous permettre de vendre le bois en cas de besoin. Voilà, on va préparer ça comme ça. Et on va arrêter de fabriquer des personnes puisque on ne peut plus en mettre. Je pense qu'on va partir à la guerre bientôt. Ouais, on a 5 bateaux là, c'est bon, hein. Voilà, c'est parti. Cool. Allez, je termine le bois et on va partir à la chasse. On va essayer de dominer. Qu'est-ce qui se passe-t-il? On y va ou pas? Ah, ça y est, ça commence à charger, les amis, c'est chaud. Bon, c'est quand vous voulez, hein. Voilà, c'est bon. Et il reste pile poil 3 personnes, ça tombe super bien. Et on va lui mettre à faire du bois, récupérer du bois ici, voilà, comme ça c'est parfait. Là, on manquera de rien à notre retour. C'est parti! Oyez, oyez! On my way. On my way, yes, on my way. Oh, c'est beau, oh, c'est beau, oh, c'est beau. Alors, puisque on a un village à côté qui nous, apparemment, comme d'habitude, ils ont des problèmes, on va aller se mettre à côté d'eux en premier et on va essayer de résoudre leurs problèmes de. Apparemment, ils se font chasser ou ils se font attaquer. Voilà, ça y est, c'est fait. Ah, on va utiliser le pouvoir pour voir comment on s'est dégagé là. Ah ouais, c'est pas mal les amis, hein. Vous voyez ce que je viens de voir là, le pouvoir de Loki? En fait, ça dégage la vue sur une distance assez conséquente quand même, hein. On voit l'autre côté de la rive. Ah, c'est quoi ça? Est-ce que c'est l'ennemi? Oui, c'est l'ennemi. Ok, très bien. On va accoster une plage et on va attaquer.
Ou alors, ici, pas encore. Attendez, hein. On va s'occuper d'abord peut-être de notre côté pour voir qu'est-ce qui se trimballe. Voilà, ok. Ah, ils sont coincés. Ah, ça y est, on a les ennemis là. Parfait. Parfait. Bah alors on va accoster peut-être ce côté-là, non? Ou sinon on les attaque directement. Attends, qu'est-ce que c'est que ce territoire-là? Si je fais ça, je vais de l'autre côté, d'accord? Je vais de l'autre côté et... Bon. Bah... Oh, mais c'est qu'il est nombreux, hein? Ils sont nombreux en plus. Alors attends, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse venir ou pas? Attends, attends, Almost. attends, attends. Je vais attaquer d'abord. Je vais d'abord attaquer les territoires. Voyons, c'est quoi la stratégie? C'est quoi la meilleure? Est-ce qu'on les supprime ou pas? Attends, si je vais par là, je fais comme ça. Et si je vais par là, je découvre ici. Ok. Ok, bon, on les attaque. On les attaque comme ça. As you wish. Comme ça, on sera fixé. Un navire de ennemi est apparu. Bah, c'est parfait, on y va. Ah, mais c'est que sont nombreux en plus! What the heck? Alors, qui attaque en premier? Vous. Allez, c'est parti. Voilà, attaquez, Attack! attaquez mes chéris, attaquez. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Oui, très bien. Très bien, très très bien. Voilà, comme ça. Une vraie bataille navale, lol. Bon, vous faites quoi maintenant? Ah oui, pas mal. Voilà, le bateau ennemi a coulé, c'est bien. Il nous reste quoi? Le suivant, non, celui-là, il est déjà blessé. On va laisser le nouveau se battre. Non, non. Ah, ils l'ont forcé. Ah, dommage. Ok, bah c'est pas grave. Vas-y, venez. Venez. Ah, bah si. Ah, bah il est mort. Oh, mais on est surpuissant, dis donc. Ah oui, c'est les flèches, les archers qui font leur boulot. Ah ouais, les archers, ils font leur boulot de loin. Bah voilà, les amis, hein. Ça vous permet de savoir que les archers, à quel point sont importants les archers, que ce soit sur terre ou en mer, hein, voilà, ils peuvent tirer de loin. Excellent, excellent. Voilà, j'ai bien fait d'en mettre. J'en ai pas partout. J'en ai un là et un là. J'en ai pas partout, mais c'est pas grave. Suffisamment pour gagner. Bon, on va attaquer toute cette côte là qui nous entoure avant. Et on va essayer de découvrir. Attends, je me suis trompé ou quoi? Qu'est-ce qui se passe ici là? C'est ici qui m'intéresse. Donc c'est par là. Il faut que je fasse tout le tour quoi. Bon, ouais, d'accord. On y va. C'est pas grave. Attack on my way. Attaque? Ah, on arrive chez l'ennemi. Eh ben c'est pas grave. On va dominer cette partie-là. Ça devrait le faire. Et voilà, c'est la guerre les amis. Normalement, ils ont des défenses. Alors, on va utiliser le pouvoir de Loki. On va dégager un petit peu la route, voilà, histoire de voir combien ils sont et comment ils sont. Ça devrait pas poser de problème, hein. Ça devrait pas du tout poser de problème. On va d'abord aller par là. On a les archers. Ça, c'est vraiment un gros avantage, un très grand avantage. Ils arrivent, ok. Ils arrivent. Par où on va attaquer? Où est-ce qu'on va attaquer? Ils sont en train de fabriquer du monde. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par là. As you wish. On va les attirer par là. On va les piéger. Comme ça, on sera plus nombreux et on se fera pas cramer nos bateaux. Voilà. Un navire ennemi est apparu. Bah, qu'ils viennent, hein, y a pas de problème. Allons-y, venez, 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 venez. Allez, montez, montez, montez. Voilà, très bien. Allez, montez, montez, montez. Allez. Ça y est, l'ennemi arrive. On y va. On est agressif. 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 On attaque tout le monde. Allez.
Allez! Normalement, on peut gagner. On peut gagner, mais j'ai pas envie de gagner tout de suite. J'ai vraiment pas envie de gagner tout de suite. On va les détruire simplement pour les affaiblir. Pourquoi je peux pas accoster tout le monde? Je suis dégoûté là. Ça, c'est pas terrible comme animation encore, hein, le côté. Normalement, les amis, si on détruit leur baraque, là, on gagne la bataille, mais j'ai pas envie du tout. J'ai pas du tout envie. On dirait que je suis en train de perdre, non? Non. Bon, c'est ici qu'il faut attaquer la bande de nazes. Ouais, je peux pas accoster, ça m'énerve ça. Ah, j'ai perdu bêtement là, voilà, j'ai perdu bêtement parce que je suis venu avec du monde et finalement je peux pas attaquer. Cours, cours, cours. Putain, fais chier. Ça, c'est pas terrible là. Bon, toi tu vas monter là, tu vas rester sur le bateau. On va faire autrement. Tu viens ici. Voilà. Voilà, c'est bon. Toi, tu vas bouger. Voilà, ici. Et toi, tu vas venir. Tu vois, je suis dégoûté là. On avait la possibilité de. Voilà, c'est bon. Ok, on y va. Normalement, on peut pas perdre. On n'est plus nombreux. Ah, j'ai oublié de... Ah, ça y est, on peut diriger tout le monde maintenant sans bug. C'est cool ça. Attendez, 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 attaquez. Voilà. Agressif, peut-être pas. Allez, on va commencer par détruire tout chez eux. Allez, on va réduire à néant. Et dans cet épisode, on va essayer de... Ah bah non, c'est déjà la fin. Non. On va essayer de découvrir les technologies et tout. On va pas détruire l'ennemi tout de suite parce que sinon on va gagner et on ne saura pas comment upgrader, optimiser le... Oh, c'est cool, je... Il y a plus de bugs maintenant en dirigeant plusieurs unités. Ça, c'est bien. Allez, on détruit l'ennemi. On continue. Qu'est-ce qui se passe? On my way. Qui ose m'attaquer? Allez, on va détruire leur port aussi, peut-être. Ouais, allez, hop, les maisons. Ah ouais, ils ont beaucoup de puits, hein, quand même, hein. Voilà, il n'y a plus de... Alors, ici, on est à 500, ça n'avance pas du tout. Allez, on détruit tout, hop. Le port aussi, laisse tomber. Ouais, si, 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 on détruit. On détruit, comme ça leur permet de plus pouvoir venir. Ah ouais, vous voulez jouer à ça avec moi? Allez. Allez, on attaque. Voilà. Allez, on détruit toutes les maisons. Je vais les mettre. Voilà. Et à la maison, pendant ce temps-là, on va upgrader. Ça m'énerve, ça. On est à côté et on peut pas y arriver. On peut pas y accéder. Alors, où est la maison d'armurerie que j'augmente ma maison, que tous mes unités. On va augmenter la hache. On va augmenter les armures. Augmenter tout, tout. Voilà. C'est bon. Y a pas d'autre. Ok, c'est cool. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on peut tous les faire en même temps. Parfait. Alors, et là, je suis vraiment content parce qu'on peut sélectionner toutes les unités sans saccader le jeu. Ça, c'est une très bonne chose. Et on va rentrer, on va détruire tout ce qui est aux alentours pour les éviter de développer. Et ensuite, on ira chercher les pierres runiques. Pour découvrir les technologies, comment ça fonctionne.
Bah finalement c'est facile hein. À ce rythme là je pense que je vais jouer un V4, un V3 max contre l'ordinateur hein. Il suffit juste de connaître la mécanique du jeu pour voir comment ça fonctionne et puis basta quoi. Allez. Allez, on réduit leur maison. Comme ça, on réduit leur nombre de... On dirait que je récupère du monde. Ah non, non, c'est parce qu'ils sont morts. Voilà, j'espère qu'ils arrêtent de développer parce qu'ils vont me saouler sinon. Allez, on va rentrer à l'intérieur. On investit à l'intérieur et je vais voir si on peut faire quelque chose comme voler leur base. Je crois pas qu'on puisse voler leur base, hein. Non, non, hein. Dommage. Voilà, détruisez-moi tout. Allez. 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 Entrez. 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 Portail. Une armée ennemie est apparue. Comment ça, une armée ennemie est apparue? Détruisez-moi tout là. Pourquoi cette porte, elle est encore fermée? Attends, lui là. Viens ici. Toi, tu viens ici. Détruis-moi tout. Détruis-moi ça. Voilà, les bateaux sont détruits. Détruits, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore hein? Comment ça, un bateau ennemi? Foutez de ma gueule ou quoi? Vas-y, viens. Alors, on va voir comment ils se battent là. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Voilà, cramé. Voilà, bien fait pour toi. Allez, monte. Monte, allez! Bon, c'est pas grave, on va tout détruire, comme ça nous fait de la place. Comment ça, non? Voilà, on n'en parle plus. Hop, hop, voilà. Un peu fastoche quand même, hein. Bon, bah maintenant on a une grande plage, du coup. Lui, il peut venir où qu'il veut, voilà. C'est dommage qu'on ne peut pas extendre pour construire sur une autre plage. Là, ça aurait été grandiose, comme les autres jeux. Allez, on va chercher les runiques. Et là aussi, c'est pareil, on peut pas ramener le bateau à la maison pour... Ah, il y a encore du monde ici. Ils ont reconstruit par-dessus. Lol. Vas-y, tue-les-moi. Bon, bah je crois que je vais rentrer à l'intérieur. Je vais les tuer parce que là, ils arrêtent pas de reconstruire. Je vais perdre mon temps. Allez, on n'en parle plus. Voilà, c'est bon. Allez, suivant. Décidément. Ah, mais ils arrêtent pas de reconstruire. C'est pas possible. Voilà, c'est bien, entrez, 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 comment vous pouvez entrer là? C'est quoi cette... Comment ça, il faut faire tout le tour comme ça là? C'est quoi leur délire? Voilà, portail détruit. Ok. Attends, portail détruit une deuxième fois pour voir qu'est-ce que c'est que ça là. Je comprends pas. Ah, ok, il faut deux fois. D'accord.
Je vais pas les détruire, les amis. Je vais pas les détruire. Je vais simplement les empêcher de développer et revenir par là un peu plus tard. Voilà. Normalement, si on épuise logiquement leurs ressources, ils peuvent pas développer, hein. Comment ça se fait ça? Ah, ils ont reconstruit encore par ici. Décidément. Ah, ils ont reconstruit encore un autre truc là. Mais merde, ils commencent sérieusement à m'énerver là. Bon. Oh, non, 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 faut pas détruire. Oh là là. Je veux pas gagner moi. Non, 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 non. Décidément. Bon, allez, on fuit, on laisse tomber tout. Hein? Bon, bah alors viens. Cut him down! Voilà, ok. Et ensuite, on va fuir. On va pas les battre tout de suite. Encore un ennemi est apparu. C'est quoi cette... Ah oui, d'accord, ok. Attends, on va aller par là, tous, voilà. Et puis on va se mettre... Ah ouais, ils arrêtent pas de reconstruire. Ah ouais, ça c'est interminable, ça par contre, hein. As you wish. Moi, je veux découvrir d'autres technologies, moi. Je veux pas m'amuser à ça, là. Tiens, ils sont là. Bon, on va leur laisser la vie sauve, les amis. Moi, je vais me promener dans la montagne pour essayer de récupérer les pierres rusiques, quoi, runiques, pour essayer I de got it. découvrir les autres pouvoirs de leur dieu, parce que là, on a que Loki. C'est le pouvoir de Loki, c'est pas assez. Par contre, je sais pas s'ils prennent des dégâts dans la neige. Normalement, je viens de développer. Voilà. Voilà. Ok, d'accord, les amis. On va pas les tuer tout de suite. On va pas gagner la bataille tout de suite. Simplement. On va tout simplement. Voilà, très bien. As you wish. Ah. Décidément. Je sais pas si on peut passer. Non, on peut pas passer. C'est compliqué cette histoire-là. Bon bah c'est pas grave, c'est vraiment l'embrouille totale. On va arrêter là pour l'épisode les amis. C'est pas grave. Je vais développer 10 groupes de plus par rapport à ici là. Je vais développer 10 groupes de plus pour la défense ou alors pour revenir et bloquer les entrées. Et on verra au prochain épisode parce que moi, là, il suffit de les détruire et on gagne la partie. Mais je veux pas parce que je veux connaître les autres technologies qui sont ici, les amis, qui sont ici. Là, regardez, là, on a le pouvoir de Loki, mais on n'a pas les autres pouvoirs de Ragnarok, Bénédiction d'Odin et tout. On les a pas. Donc, on verra ça tout ça au prochain épisode, les amis. On va fouiller ensemble le tout et puis on va développer. Comme ça complétera l'histoire et toute sa construction. Ok, les amis? Ah, il veut m'attaquer? Ah, il vient m'attaquer. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye, les amis.